Lunettes sur le nez, je me balade incognito. Sur le bed, va te pas de comico, comico. T'es la peine de. Ah bah, Lily Rose, salut. Salut. Ça va? Ah bah, justement, avec Peppa Pig, on était en train de jouer là. Tu t'amusais à chanter. Ouais, ouais, bah, tu reviens de l'école que à cette heure-là, j'y pense, c'est 19h là. Oui. Ah bon? Attends, il s'est passé quelque chose là? En fait, aujourd'hui j'ai eu que des zéros. Quoi? Hein? Que des zéros à l'école? Oui. Mais c'est pas possible. Attends, non mais comment t'as fait ça? Bah je sais pas, pourtant j'avais tout révisé. Non mais c'est en quelle matière là? Zéro. Bah attends. En toutes les matières que j'ai fait aujourd'hui. Maths, anglais, français, attends, géographie. Attends, t'as eu zéro en tout? Oui. Non, mais c'est pas les matières qu'on a révisées hier. Non bon allez, c'est pas possible. Bon là, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, on attendait que Lily Rose revienne de l'école parce qu'on voulait faire une super vidéo où on rigolait et tout. Bon, on va pas vous dire ce qu'on allait faire parce qu'on va, bah, on va le faire après. Enfin voir, on va annuler carrément parce que là il faut faire quelque chose. Là, que des zéros. Non mais tu vas devoir redoubler là, c'est sûr. Mais non. Là, il y a certainement une explication. Non mais on t'a déjà inscrite pour dans un collège pour l'année prochaine, et là tu vas devoir redoubler, que des zéros dans le bulletin, comme mais ça personne non va t'accepter. Non, c'est la première fois que t'as des zéros comme ça. Ah bah c'est pas la première fois. C'est la première fois, hein. Tu te souviens? Tu te souviens de la fois où j'ai caché tes zéros là? Ouais. Donc là ça suffit, les peluches, les trucs, tu vas nous montrer les zéros et on va bien voir. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien dans mon cartable! Attends, vas-y, ouvre la poche là. De quoi, y'a rien? Comment ça? J'ai plus de cahier. C'est une blague. Y'a plus rien dans le cartable. Avec un stylo. Non mais c'est une grosse blague là. J'ai plus rien. Attends, vas-y, ouvre ça. Il y a peut-être quelque chose ici, mais non, mais là il y aura pas de cahier là, vas-y. C'est une blague. T'emmènes des jouets à l'école. T'emmènes des trucs comme ça. C'est pas amusant. Non mais c'est une blague. Bon là les amis, là c'est une grosse catastrophe. En gros là il y a Lily Rose qui s'est pris 5-0. Combien de zéros déjà? En tout, je pense que j'en ai eu 6. Ouais, bon, 6-0. Et en plus, on se rend compte qu'en fait, elle va à l'école sans cahier. Et du coup, ils sont où tes cahiers? Mais je te promets, je les avais. Et là, ils sont disparus. Ah, c'est bizarre parce qu'en ce moment, à ton école, il y a une mode, c'est de jouer avec les cahiers dans les toilettes et d'en faire des boules de papier. Ouais, donc, j'espère que t'as pas fait ça quand même. Jamais j'aurais fait ça. T'es sûr que c'est pas une blague de ta copine? Ah, ouais. Comme ça, j'ai peut-être un doute. Attends, moi. Attends, comme il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas dans ta classe. Enfin, c'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est qu'en ce moment, il y a tous les élèves de la classe qui se font des blagues. On dirait que c'est le 1er avril, alors que ce n'est pas le 1er avril. Mais donc, en décembre. Ouais, je sais pas. Bon, non, c'est des blagues de Noël. Non, mais ça veut dire que ça tombe, il y a des gens qui ont pris tes cahiers, qui sont en train de tous les déchirer et tout. Alors, rappelle-toi quand t'es sorti. Attends, on va regarder ailleurs, ça tombe, il y a des cahiers. Je sais pas, bon allez, moi je suis perturbé. Mais je les ai pas oubliés ce matin, j'en suis. Normalement, t'aurais dû avoir un souvenir quand même de où tu les as posés et tout. Non, mais quand je suis sorti. Non, mais Peppa Pig, t'as une idée ou pas? Oui, avec quelle copine tu as discuté? Attends. Avec quelle copine tu as discuté? Bon, c'est pas grave. Moi, tu sais ce que je vais faire? Moi, là, j'en ai marre de discuter. Ça fait 10 minutes qu'on discute comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement chez la copine de Lily Rose. C'est laquelle là? Celle qui fait beaucoup de blagues en ce moment? Sandrola. Sandra? Sandrola. Sandrola, bon, j'ai jamais entendu parler d'elle. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais aller chez. La nouvelle qui arrive. Je vais aller chez Sandrola. Elle doit habiter pas. Quoi? Quand je suis sortie de l'école, j'ai vérifié tous mes cahiers et. Ils étaient tous là. Attends, en quittant l'école, tous les cahiers étaient dans ton sac. Oui, et après j'étais avec mes copines au kiné. Attends, ça veut dire que là, quand tu sors de l'école, après tu vas jouer avec tes copines? Oui. Et c'est pour ça qu'à chaque fois t'arrives tard de l'école. Donc t'as certainement déposé ton sac quelque part. Et à mon avis, c'est tes copines qui t'ont fait une blague. Et il y avait qui dans ces copines? C'était quoi le nom de ces copines? Bah du coup, il y avait Sandrola. Qui ça t'a pas paru bizarre quand t'as repris ton sac? Oh, il y a un peu léger. Il y avait qui d'autre aussi? Chloé et Léna. Léna situation. Non. Bon allez, c'est pas grave. Donc là, je vais aller chez Sandrola. D'accord, Peppa Pig, on va y aller. C'est une mauvaise blague à mon avis. Tu vas surveiller Lily Rose pour qu'elle fasse ses devoirs. Parce que même si t'as perdu tous tes cahiers, t'as quand même eu 6-0. Oui, non, 5. Ah ouais, bah t'avais dit 6 tout à l'heure. Ça veut dire que sur ton bulletin, tu vas redoubler. Non. Si c'est vrai, tu vas redoubler. Qui t'a dit que t'avais ces notes là? C'est tes copines, je suppose. Bah non, j'ai vu ça. Bah la maîtresse, elle m'a donné les feuilles. Les feuilles, quoi. Les évaluations. Oui. Enfin, mais c'est pas possible. Mais comment, à la rigueur, avoir un zéro? On donne pas des zéros. Mais comme pas ça. deux zéros.
À la rigueur, mais pas 3. Comme dans les 3 0. Non mais là franchement, je me demande comment elle fait pour avoir autant de 0, c'est infernal. Ouais, là j'en ai marre. Là je vais aller chez Sandro là, la petite maline. Et elle, non mais si j'étais toi, je commencerais à rigoler directement et à pas faire ça parce que là c'est n'importe quoi. Ouais, bon allez. Je vais faire des devoirs avec Lydia. Ouais ouais, allez, c'est parti. Allez, on va chez Sandro là, regardez, elle est en PLS de rire. Bon là les amis, je suis devant chez Sandro là. Bon bah voilà, il y a pas de lumière, tout est fermé. Donc franchement, je sais pas quoi faire. En plus là, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de trucs, donc je pense que je vais rentrer. Mais bon, j'espère que là-bas ils sont en train de bosser. Eh oh là, j'espère que ça bosse là, parce que franchement, bon, là c'est pas la qualité, hein. Quoi? Elle est terminée, elle vient de terminer. Ouais, on a rien fait. Oh, mais si. Vous avez rien fait? Elle a fait 3 divisions. Oh. Attendez. Bon là, les amis, ça va pas du tout ça, c'est n'importe quoi, ils travaillent pas. Je vais leur faire une petite blague. Alors, eh oh, ça bosse pas? Là je suis allé chez Sandro là. Ouais. Et la mère de Sandro là, elle m'a dit: oh bah ça m'étonne de l'IROS, parce que les évaluations elles étaient super faciles. Toute la classe a eu 18 sur 20, même 20 sur 20, tout ça. Et l'IROS c'est la seule à avoir eu 0. Donc elle m'a dit c'est sûr que c'est un redoublement pour l'IROS. J'ai parlé un peu avec la maîtresse. Comment ça? Là c'est sûr que l'année prochaine l'IROS ça sera pas le collège, ça restera la primaire. Eh oui. Eh oui Lily Rose, c'est comme ça. T'entends ça Lily Rose? Eh oui. À mon avis. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah non. Eh oui. Vu sa tête à mon avis. Non, là par contre c'est pas une blague Lily Rose. Il te reste une évaluation pour terminer la période là, ouais. Donc avant les vacances de Noël. Ouais, parce qu'on fait cette vidéo avant les vacances de Noël là. Et ouais. Du coup elle dit bon, si avant les vacances de Noël t'as pas au moins 2 20 sur 20, bah c'est foutu. Si t'as pas 2 20 sur 20, c'est redoublement. Mais non, mais j'ai 6-0, mais... Enfin, je veux dire, on sait le redoublement en fonction de la longueur de l'année. Non, mais là, en plus, le premier trimestre, t'as pas eu un bulletin de fou. Là, c'est foutu. Bon, allez. Donc là, les amis, franchement, ils prennent pas ça au sérieux. Mais je pense que Lily Rose, vous la verrez plus du tout sur la chaîne. Non. Parce que, bah, moi, si. Je pense que... Il y a une erreur. Ouais, parce que là, il va falloir... Tu penses qu'il y a une erreur? Oui, il y a une erreur quelque part. Parce que, venant de Lily Rose... Je travaille bien, moi. Bah, appelle la directrice, ok? Bah, oui, je vais l'appeler. Et vas-y, tu lui demandes les notes. Allez! Allez! Oh là là! Et toi, bah, vas-y, c'était quoi la leçon là où t'as eu 0 en français? Oh, j'ai pas appris. T'as pas appris? Non, ouais, bah, en vrai, c'était sur les. Je m'en rappelle même plus. Ouais, bon, vas-y, allez, fais ta dictée là, écris une dictée. Eh oh, la directrice là! Je viens de la voir, Esteban. Non, tu viens pas de la voir, si, allez! Si. Du balai! Petit coquin! Allez! Ah, oh, punaise, on doit les surveiller, hein! Des vrais gosses! Le vent. En attendant, je regarde si Lily Rose a pas caché des trucs hein, qu'elle ramène à l'école en secret. Parce qu'on sait jamais, là, elle révise bien. Ah! Le voilà! Le voilà! Tu te moquerais pas un peu de moi? Je viens de téléphoner à la directrice. Alors Matt! Matt, Lily Rose, 14 sur 20. Quoi? Histoire, 18. Quoi? Bah oui. Français. Français, 15. Mais ça c'est va, une blague. Ça va. Non, mais sport, et du coup, le sport, 18, c'est et très bien. Et ils viennent de où, les zéros, alors? En fait, je pense que c'est une blague qui se sont fait entre copines. Ah bon? Mais c'est une blague ou quoi? Bah ouais, bah c'est une blague. Alors, Lily Rose, félicitations. Et toi, tu te laisses avoir... Ouais, c'est bon. Comme je la vois pas beaucoup travailler, je me suis dit qu'elle avait eu des mauvaises notes. Bon, allez. Sinon, c'est pas... Faut finir tes devoirs, Lily Rose. Allez, on la laisse finir. Mes devoirs. T'as intérêt à avoir des bonnes notes, parce que sinon, c'est terminé. Allez, ciao, sayonara.